Un beau bonjour à toi, Slimanak, j'espère que tu vas bien. Mon nom c'est Benoît, a.k.a. Tree Walker, ou dans ce cas-ci, Weapon 420. Alors je t'invite à lire entre les lignes. On a une coupe de coffres à ouvrir ensemble, dont un Spotlight Cache, qui nous donne accès à Man-Thing, Silver Samurai ou Lady Deathstrike, épique la Deathstrike, ou un random série 4 ou 5. Fait qu'on a tout ça à ouvrir ensemble. Généralement, je me gâte puis je me fais un petit match avant. Fait qu'on se souhaite une victoire. J'utilise mon deck Only See Red, dans le fond, qui m'offre quand même un pas pire rendement de victoire, mais la saison est tough, je te dirais. La saison est tough. Déjà là, on ne peut pas jouer là. Fait que ça pourrait être un avantage pour moi avec mon Nimrod. On skip. Rented pizza. Un beau bonjour, monsieur Pizza. Comment vas-tu? Là, on espère que ça va pas lui prendre 3 semaines à jouer son coup. Vas-y, mon pit, t'es capable. Puis là, la grosse carte du moment, c'est Man-Thing qui a un impact sur les cartes 1, 2, 3. Fait qu'on va y aller avec celle-là ici. Lui, il va investir toutes ses ressources pour aller là. Parce qu'il va se dire, en plus de ça, il est allé mettre un lézard. Le lézard, sache-le. C'est moins 4 de power si lui a 4 cartes. Fait que, considérant la situation. Puis là, à tour 4, on va bouger. Fait qu'on va aller mettre une autre carte. Oh. Fait que, qu'est-ce que t'as en tête, mon pit? Ça va pas bien, guys. Je te le dis tout de suite. Mystique. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, lui, soit qu'il va jouer Gambit, soit qu'il va jouer White Tiger, soit qu'il va jouer. Bon, il va peut-être jouer aussi Iron Heart avec son quadruple Wong. Moi, par contre, je vais aller jouer Nimrod Drella. Moi, on joue Nimrod. Ha. Ah, tu as vu? Iron Heart. Clic, clic, clic. Boobs. 16. Là, moi, je serais tenté de mettre ça. J'y donne dessus. Tant qu'à moi, d'après moi, il gagne. Félicitations, monsieur Pizza. Bien sûr. Fait qu'il gagne parce que moi ici je finis avec un 0, puis lui il était capable d'aller scorer un 18. On en rajoute un autre. Oh, 69. Ok, Only See Red une autre fois. Une autre toute petite, il faut au moins être capable d'en gagner une pour pouvoir déballer du stock. Come on, JBL. Duvaux. John Bradshaw Layfield. Petit clin d'œil à la WWE.
Ça va bien. Excuse-moi. Là, avec, pas le plus beau des jours, là. OK. Trois. OK, on va aller faire ça. Pour réussir d'aller péter lui après avec mon Destroyer. C'est un négatif. Moi, je protège mon camp là. On va snapper ça. Hello! On va voir si c'est un humain ou si c'est un bot. Sus. Sus. Aïe, aïe, aïe. Bon, bon, ben. Moi, je pense que je l'amène là. Fait que, aéro. Ah, je peux pas la jouer là. Voilà pourquoi ça marchait pas. Lui, il clenche ça là. Lui, il met un là. OK. Parce que s'il y a Mystique, il va aller la mettre au milieu. White Tiger. Fait que, elle, dans le fond, elle fait 1. Ben, habituellement, elle fait 1, mais elle pitch une carte 7 sur le côté. C'est l'avantage de White Tiger. Fait que, une belle victoire. On retombe à 70. Yes. Pas de niaisage. Tu prêtes, mon ami? Si tout va bien, on va même pouvoir level up une carte après. Fait que, Collector's Cash numéro 1. 150 crédits, c'est pas pire. Numéro 2. Un gold ticket. Si jamais vous voulez voir des matchs compétitifs, là, juste à me le dire, je peux en mettre. Un autre golden ticket. Cette valeur, ça sera pas Willy Wonka. C'est elle que je veux. Je suis un méga fan de Man-Thing. Puis j'utilise régulièrement elle dans un autre deck. Lui, je l'ai pas. Pour être pratique par moment. Let's go! Yes. Oh, va falloir que je fasse un deck avec. C'est évident. Collector. 100. Pas si pire. Oh, je suis content. J'ai failli l'acheter tantôt. Je vais vous la montrer. Un autre ticket. Tu veux que j'aille en compétition? Patriot. Mais je m'en sers pas. Respect the shoulder pads. Ah, oh, c'est merveilleux ça. Ou les pouches, tu sais là. Respect the pouch. Et c'était la fin, mon ami. Fait que je viens de buster le 5000. C'est une belle journée. Fait que là, j'ai 570. Regarde, check, je vais te le montrer. Parce que dans la shop, parce que ça, c'est la boutique, là. Ça, c'est ce qu'il y a présentement à l'intérieur. Et elle, c'était la nouvelle carte du moment. Et j'avais assez de Token Shop 6850 pour l'acheter. J'ai vraiment passé proche. Et elle qui me tente aussi, mais je trouve qu'à 6000, elle est chère. Fait que 570, Only See Red. Je suis capable d'en développer une comme du monde, que ce soit agréable à voir. Elle, je peux la split. On fait ça. C'est joli. Do it. Puis, je pense que je vais y aller pour mon Red Skull. 150. Legendary. Ouais, c'est pas mauvais. Pas une fois, elle, je l'ai splitté. Ah oh, ouais. Puis pourtant, ça fait longtemps que je m'en sers. Écoute, parce que vous êtes avec moi. Oh, mais non, je m'en sers pas. Écoute, message est bien reçu. Upgrade cards.
Oh yeah! Et ça veut dire que j'ai tout fait ce qui est à l'intérieur du chapitre 1. Fait que si on s'en vient ici, on a 200 crédits. Écoute, on va peut-être être capable de. J'aime beaucoup la carte de Ghost Rider que j'ai. Pourrais la monter. Iron Heart. Ça, c'est la carte à venir. Mais je vais être franc avec vous. Cinémaquin. Si je fais Ghost, G-H-O-S-T. J'aime vraiment mieux ce carte-là. Elle est malade. Elle est malade. Ça, c'est mon premier split. Ça, c'est mon deuxième. J'aime bien mieux cette carte-là que celle qui est dans saison, mais je comprends l'attrait. 320. Écoute, peut-être qu'on est capable d'en monter une. Pas beaucoup, en tout cas. Et c'est tout. On fait un dernier match ensemble? Toujours avec le même deck. Cinq ans de crédit. Bon. Un dernier match avant de partir. Fait que dans tous les cas, merci Cémaniax pour l'attention. J'espère que tu aimes ça, ces petites vidéos-là. C'est le fun à faire, en tout cas. C'est pas très exigeant. Puis si jamais vous voulez que je rentre comme plus dans les détails de ma mécanique que j'utilise et pourquoi j'utilise ces cartes-là, je pourrais le faire aussi là, un jour. Si tu veux que je fasse juste des speedruns de matchs, on peut mettre ça sur la chaîne Cinémaniacs n'importe quand. Fait que ici, les cartes qui coûtent 4, 5, 6, je peux pas y mettre là. Fait que je suis aussi bien de le mettre elle ici, puis avoir un extra 1. Sur le tour 6, je vais pouvoir bouger une carte là. Fait que des fois, ça peut aider. Oh yeah. That's what's up. Electro, c'est une excellente carte. Fait qu'il me donne plus 1 energy. Puis après ça, je peux juste jouer une carte. Mais étant donné que Sunspot obtient un point à chaque énergie non dépensée, ça devient une maudite bonne idée. Vortica. Hello. Hello, Vortica. Comment vas-tu? Ouais, mec, t'es dans la merde. Fait qu'elle va aller là, dans tous les cas. Peu importe ce qui arrive. Pour lui, ça va être un incitatif d'aller jouer à gauche ou à droite. Puis encore là, j'avais une énergie de non dépenser. Sunspot vient de monter là. Tu vois-tu le fermer, ton criant? Je sais pas si tu l'entends. Si c'est le cas, je m'excuse. 4-5. 4-5. Ça, c'est le tour 5. Puis apparemment, un venom a une bonne main. OK. Ça, je fais? Screw you, buddy! Pamparatin! Tu vois, je vais en mettre là. Bon, ça.
Je prends L pour aller copier. Puis je bouge L là. Et je crois que ça sent bon. Dans tous les cas, c'est un match agréable. Allez, Avortika, joue ta carte. Ok. Ah, il y en avait deux. Ok. 26. Je copie mon 14, fait que je le bats. Puis j'étais à 28. Good job, Vortica. T'as bien perdu. Oh, et t'es poli. Good job. Ça, c'est le fun. Ça, c'est agréable. Donc là-dessus, on va aller ouvrir ça ensemble et je vous remercie infiniment de l'attention portée pour mes petits matchs de Marvel Snap. Et je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que les festivités d'Halloween qui vous attendent vont être incroyables. Gardez les yeux sur le match du Canadien du 28. Ça va être épique. All right, guys, à bientôt.